Yo à tous les biatchs. Après n'avoir pas sorti de vidéo, je vous dois explication, vous faites vraiment chier. Bon, déjà monsieur Bouze01 a besoin d'un nouveau PC, parce que celui qu'il a là va aussi vite que ta grand-mère. Et pour ça il a besoin de travailler, pour gagner du pognon. Mais quand on travaille, on n'a pas toujours le temps de sortir des vidéos. C'est de votre faute ça. Bon allez, là on commence l'épisode. Merci monsieur Wouaouf d'avoir expliqué tout ça. Donc bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est monsieur Max01 et on se retrouve sur Terraria pour le nouvel épisode du guide. Très important parce que la mise à jour, on n'a pas eu beaucoup d'épisodes, on n'a même pas eu d'épisodes là-dessus. Donc aujourd'hui on va déjà commencer avec cette nouvelle mise à jour qui est exceptionnelle. Donc là on va prendre notre petit personnage et on va retourner on va aller plutôt sur le Terra Guide. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a eu l'accéléré, ça m'a pris quand même du temps. Je sais plus combien de temps j'ai passé dessus pour faire tous les dépassements, mais je les ai fait. Il manque encore des personnages. Au niveau des NPC, il en manque encore. Comme vous voyez, par exemple, il manque le démolisseur, le pêcheur, mais bon, ça c'est rien. On va aller le chercher, le petit pêcheur, et on va essayer de compléter un peu tous les NPC qui manquent. Un petit œil. Viens là. Bon, tant pis. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi aujourd'hui? Très important, on va... Où est-ce qu'ils sont? Oui, je le sais, ils sont peut-être dans le coffre important. Voilà. On va utiliser ça. Parce que comme vous le savez, on l'a pas, dans ce monde, on l'a pas encore battu. Et avec la mise à jour, la mise à jour 1.3 de Terraria, qui rajoute le mode expert, quand on est dans un monde en mode expert, tous les boss changent. La difficulté, les dégâts, et les boss ont une nouvelle phase en mode expert que j'ai envie d'essayer avec vous. Et c'est la phase de l'œil de Cthulhu. Donc on le fera tout à l'heure, là on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Il n'y a que la moitié de la lune. Ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va aller explorer le monde en surface. Parce qu'il n'est pas encore exploré, vous n'avez pas encore découvert. Et moi, j'aimerais bien aussi de voir un peu ce qu'il y a. Oui, j'ai déjà passé une fois par là. Là, on va faire un petit trou. Hop, hop, voilà. Recall potion. Oh, c'est cool ça. Bon, ah, des champignons, on va les récolter. C'est toujours pratique. Déjà, on rencontre un petit lac. Prends là où il n'y a rien. Ça va. On changerait de biome, non? Ah, une grotte. On va la passer. Qu'est-ce que... Ok. Je ne connaissais pas ça. D'accord. Ok, c'est extrêmement étrange. Je dis pourquoi pas. Bon, c'est vraiment bizarre ça. C'est vraiment bizarre ce truc là. Comment ça... Bon, tant pis. S'en fout. Tant mieux, ça est arrivé. On a eu un bonus de 20 pièces d'or. 10 par un œil. Un simple œil de Cthulhu. Hop. Enfin. Un simple œil maléfique. Hop. Hop, tu meurs, toi aussi. Meurs. On arrive dans un désert, juste ce qu'il faut. Ah, et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc la mise à jour 1.3, elle rajoute de nouveaux éléments. Et surtout, elle fait une modification énorme du biome désert. Avant, le biome désert, c'était qu'une simple couche de sable. Il n'y avait rien dedans, rien de spécial. Il y avait au grand maximum 2 mobs. Maintenant, comme vous le voyez, il y a un trou à côté qui permet, enfin, qui ouvre sur un,
une caverne du désert. Merde, j'ai plus de gel. Qui va être assez intéressante à explorer. J'ai rien pour ça. Voici un nouveau type de mob. Attendez, hop. Poser une petite torche. Aïe. Bon. Eh non. Voilà. On va les tuer avec le traîneau. C'est une très bonne arme, le traîneau. Hop, on est descendu. Et comme vous le voyez, déjà, c'est bien profond. Mais là, il y a des nouveaux... Un nouvel type de roche. C'est... On peut pas la miner. Super. Bon, normalement, ça, je vous la présenterai un autre jour. On va pas encore s'attarder là-dessus, parce qu'on a beaucoup de choses à faire sur le... aujourd'hui dans cet épisode, mais la prochaine fois on ira visiter un peu ce trou dans le désert et voir ce qu'il contient. Je vous le dis, c'est quand même assez intéressant d'aller le visiter, mais là il faut qu'on trace notre route. Bon, ça, hop, viens là toi. Hop, j'aimerais bien te voir aussi par où est la jungle pour déjà se repérer, savoir où il faut aller si on a besoin d'aller quelque part. Vraiment de regarder les biomes. Je vais juste voir à quelle distance on est. Ouais, on a quoi le temps. Hop. Allez. Le grappin, très pratique. Hop. Allez. Ah, ben, on a toujours les mobs classiques. Hein. Le vautour, par exemple, est toujours là. Ils ont juste rajouté des sons. Il y a des fois des sons... bizarre. Ah oui, non, ils ont rajouté aussi en surface un autre mob, c'est le slime du désert. C'est un slime du désert, il n'y a rien à dire dessus, à part qu'il donnera tout le temps la même chose, du gel et des pièces. Ah, on rentre dans la jungle, parfait. Bon là, la jungle, ça a pas trop changé aussi. Un piranha. Oh, un coffre. Cool ça. Et qu'est-ce qu'on a? On va tout récupérer. Hein. Hop. Voilà, viens là. Hop. Eh ben, c'est bizarre de trouver ça comme ça. Hop. Ah, des pernas. Mourir, mes petits. Un lac. Oh, j'ai tué quelque chose. Hop, ça, c'est bon. On passe, s'il te plaît. Voilà. Par là, c'est un cul-de-sac. Allez. Oh, ah, piranha. Un canard. Ah, plus de canard. Oh, c'est quoi cette potion? Calming potion. Réduit les agressions des ennemis. C'est génial ça. C'est génial comme potion. Ah, on rentre dans le biome maudit. Ok, j'ai obtenu un gold. Pourquoi pas. Oh, un vert. Et là, on va rater. On rentre dans le biome corruption. J'espère qu'il est pas trop long. Parce que s'il est trop long... Espérons que ce biome ne soit pas trop long. Parce que sinon... Bah c'est mauvais. Mauvais pour le monde. Oh. Attends, on a pris cher. On va prendre une petite potion. On a pris très cher. Très cher notre race. Allez. Par où? Attends, combien de distance? Oui, ça va. Il reste ça. Ah, on a une particularité du monde, ça arrive quelquefois. Le biome corruption, ou même un biome désert qui se génère en plein milieu de la jungle, plein milieu d'un autre biome. Et j'aime pas ça, je dois vous l'avouer. Parce que on peut vite perdre tout un biome à cause de ça. Au pire, ça, on le soignera, on s'en occupera. On arrive tout à la fin.
Oh, il reste... C'est mauvais, ça. C'est très mauvais, je vous le dis. Avoir des biomes corruption qui succèdent comme ça, c'est toujours très mauvais. Je déteste d'avoir ça. Non, toi, tu ne touches pas. On traverse, hop là. Mauvaise herbe morte, on va jeter. On n'en a pas besoin tout de suite. Et voilà, on est arrivé au bout. Donc pour ça, on va prendre le tuba qu'on a récolté. Hop. En avant. Non, on va utiliser le traîneau. Bon, on peut pas aller visiter, on n'a pas encore les capacités. On va retourner. Ne touche pas, toi. Attendez, je vais le tuer. Je cherchais après mon miroir et il est là. Stopwatch. Oui. J'ai ce petit élément là. Je sais plus comment. Qui permet de voir la vitesse à laquelle on va. C'est pas intéressant. Je vais vous le dire. C'est vraiment pas du tout intéressant. Alors, par là. Allez, monte. Attendez, hop, c'est bon ça. Là, des paumes, on va pas s'en occuper maintenant. Je pense qu'il y a plus grand chose d'intéressant par la droite. Ah bah si, le donjon. Qu'on ira battre après l'œil de Cthulhu. On va pas battre le Skeletron avant l'œil de Cthulhu. Oh, un coffre. Coffre. Qu'as-tu de spécial? Rien du tout. On va quand même te prendre. Toi, tu meurs. Toi aussi. Ah, j'ai oublié d'aller visiter les coffres à l'intérieur des structures en bois. On va aller voir déjà le coffre qu'il y a là-dedans. Même s'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Attends, une petite torche, ça fait toujours du bien. Là-dedans, il y a potion de régène, potion... Ouais. On prend tout. Ouf, on va prendre la chaise et les tables. Voilà. Et on est bon. Oh, un slime mauve. Je vais le battre. Combien de vie? 80 aussi. Hop. Toi tu vas là. Allez, on continue le petit chemin. Voilà. Alors, le biome des... biome des herbes. Le biome... toundra glace. Je vais toujours appeler le biome de neige. Je vois pas trop ce que c'est d'autre. Moi que ce serait... biome polaire. Non, biome toundra. Pourquoi est-ce que je vais pas vite? Oh, c'est un rajout. Ah, d'accord. Un nouvel ajout de la 1.3 quand on va dans l'eau présent dans ce biome, donc l'eau du biome neige, on est ralenti pendant un certain temps. Non, c'est très très bien fait ça. Je ne le savais pas. On a toujours des petites découvertes comme ça. C'est ça qui est cool avec les mises à jour. Hop, ça c'est bon. Regardez, si on va dans l'eau. Réfrigérer. Votre vitesse de déplacement a été réduite. Oh, c'est extrêmement bien fait. Bon, c'est embêtant, ça, il faut l'avouer. Mais quand même, c'est super bien fait. Et là, toi. Hop, on va aller plus vite. Bon, je ne passe plus dans l'eau. Passer. Ça. Hop. Viens là toi. Bon, tant pis pour le gel. 18 gel, ça va. Ya. Allez mon vieux. Combien de chemin reste-t-il? Pas beaucoup. Enfin, c'est quand même beaucoup. On a le temps. Hein. On va trouver le donjon, ouais. En attendant, on passe à travers tous les déserts. Ah, un retour, viens là.
Est-ce qu'il y a un trou dans ce désert? Non. Non. Ah, le petit donjon. Avec le vieillard qui a changé de texture. Oui, parce que maintenant certains PNJ ont été revus au niveau des textures et tout ça. On va lui demander, tiens, voilà. Coucou, vieil homme. Mon maître ne peut pas être invoqué à la lumière du jour. Ah. Il y a aussi des corrections au niveau des traductions qui ont été faites. Si vous vous souvenez... 1, 2, 3. Si vous vous souveniez, avant, quand on parlait, par exemple, au guide, et qu'il nous disait « ne sortez pas la nuit », s'il y avait un accent dans la phrase, il mettait un point d'interrogation. Non, les traductions ont été corrigées pour faire en sorte qu'on n'ait plus ça, que tout soit vrai. Ah, j'ai pris très cher. On a une petite potion. J'aurais dû pas sauter si haut. Allez. Donc maintenant on sait que le donjon est à droite, c'est parfait. Plus tard on y retournera. Et là je vais surtout atteindre la plage. Oh, un bien corruption. Super. Je n'aime vraiment pas les biomes comme ça, les biomes corrompus. Rien que voir la taille qu'ils ont dès le début, ça me fait peur. Hop. Hop. Toi. Ah, il monte. Ah, ça va, il est déjà... Ah, le pêcheur est là. Coucou. Bon, tu peux aller t'installer dans ma maison, toi. Et c'est plus tard qu'on va te parler. Oh, un coquillage. Si, filant. Peut-être placé. On va te remettre là, toi. Voilà. Et allons voir s'il n'y a pas déjà un petit coffre proche de la surface. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est lent. Aïe! Vite, on retourne! Où est mon... Bon, il fait mal. Très très mal, bon, tant pis. Le petit pêcheur, il va venir s'installer. Non, pêcheur, tu vas venir te mettre là. Oui, j'ai essayé de faire une maison assez originale avec un petit feu de camp. Bon, c'est pas super super, mais moi ça me plaît. Alors, les pièces d'or, on va les mettre là. Attends, ça me gratte l'œil. Ah, une pièce d'or en plus, c'est une pièce d'argent. Qu'est-ce qu'on peut déposer? Pile rapide, pile rapide, pile rapide. Ça, on peut déposer. Ça, ça, ça. Ça, on n'aura plus besoin. Ça, on va jeter carrément. Tout ce qui est pierre tombale, ne gardez pas. Ça sert à rien de garder. Ça, on va pas en avoir besoin pour l'instant. Ah, pépasse, super. Là. Potion de brillance, on peut garder. Ça, il faut garder. Ça, on peut garder. Potion. Maintenant, il faut chercher après des potions. Potion, potion de peau de fer. Potion de gravité, pas besoin. Faible potion de soin, pas besoin. Trait d'eau. Non. Ping, je vais en prendre. Potion de peau de fer, super, c'est ce qu'il fallait, ça aussi, ça, 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 du fer qu'il va nous falloir, platinium, non, du tin ou du lead, où est le guide? Ah, te parle moi, viens là le guide. Là, je suis en train de faire en fait toute la préparation pour l'œil de Cthulhu qu'on va faire dans quelques instants. Et pour ça, il faut surtout bien se préparer parce qu'il est extrêmement... Il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Il faut avoir des potions de peau de fer, des potions de régénération. Ou du moins, c'est ce que je vous conseille d'avoir. Et aussi, un dernier élément. Oh, il va falloir tout passer. Granit, oui, oui, ça c'est bien... C'est bien mon vieux, allez, descends, descends, descends. Oula. Allez, plus vite. Bon, là, il montre tous les crafts qu'on peut faire. Ah, voilà. Ça...
Une poubelle. Voilà, ça, non, non, ça, 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 ça. Une marmite, il faut... Oh, on n'a pas assez. Bon, tant pis, ça, ce sera pour une autre fois. Je vous conseille de faire une marmite, je la créerai pour la prochaine fois. Elle sert à faire des préparations, pas de potions, mais... d'un élément spécial qui vous permet d'avoir de la vie, enfin, d'avoir plus de vie. Enfin, plus de vie. D'augmenter vos stats, de faire de... des espèces de potions, ça s'appelle de la soupe. C'est un élément qui vous permet d'avoir... d'augmenter vos stats. Par exemple, la défense, les attaques et tout ça. Je vais acheter des shurikens auprès du marchand. On va prendre une pièce d'or, ce sera suffisant. Ah, ben... on n'aura pas besoin de l'invoquer, il va venir, tout seul. C'est cool, ça. On n'a même pas besoin de l'invoquer, il vient tout seul, c'est génial. Bon, allez. Je pense qu'on en aura assez... 666, oulala, c'est un signe. 666 shuriken, le nombre du diable. Bon, non, je rigole. Hop, ça, on va passer. Ça, on va monter au-dessus. Et... par où est-ce qu'on va aller pour aller le battre? La droite, c'est bien, il y a beaucoup d'espace. On va aller vers la droite pour aller le battre. Parce qu'il y a énormément d'espace. C'est un bon terrain et je l'aime bien. On va faire des jolies petites torches roses. Que vous y voyez, mais quasi que dalle. Ah, elles sont horribles ces torches. On ne voit rien du tout. C'est horrible. Eh, hey, toi tu te calmes directement mon vieux. L'œil de Cthulhu, le voilà. Bon, on commence déjà, il faut pas trop perdre de vie. Ça va, on tient bien et on y fait assez de dégâts. Non, j'ai assez de vie. On va prendre une petite potion, c'est déjà un... en chair. Il est en mode colère. Ça va être dur. Là, ça va vraiment devenir très dur. Non, 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 non. Ah, là, il s'excite. Oui, c'est la particularité de... enfin, c'est la nouvelle difficulté de l'œil de Cthulhu. En mode expert, c'est qu'il a ce mode, cette espèce de vitesse où il est assez difficile. Ah, j'ai oublié de prendre des potions. Il est vraiment extrêmement difficile à battre comme ça, rien que pour sa vitesse. Comme vous voyez, il va assez vite quand il fait ça. Aïe, il fait quand même extrêmement de dégâts. Non, il va m'avoir comme ça. Ouh, évitez. Aïe, ne touche pas. Démon. On va viser vers le bas, sera plus simple. Ça, on peut s'en débarrasser. Allez, attaque. Aïe. Non, me touche pas. Non. Raté. Oula, il va vite. On va faire comme ça pour le toucher. Allez, non. Pff.
Oui. Oh, on l'a eu. Comme vous le voyez, à la fin, il devient quand même assez difficile à battre. Pour la vitesse qu'il a ou quoi. Ah, c'est génial, ça. Blue Jay, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, maintenant qu'on a réussi à le battre, on va voir ce qu'on a obtenu. Mais déjà, on a rien obtenu, en fait. Vous l'avez vu, on a obtenu quelques pièces d'argent. Un peu de... Enfin, du petit loot, quoi. Et surtout, c'est la nouveauté de la 1.3, des treasure bags. Des sacs à trésors. Donc, ces trésors, c'est les sacs à trésors. Vous faites clic droit pour les ouvrir. Et vous avez vu qu'on a obtenu... Déjà, on a obtenu les barres de démonite, des faibles potions de soins, bon, ça, c'est pas intéressant, on les revendra. Mais surtout, The Shield of Cthulhu. C'est des éléments uniques. Par exemple, là, c'est un espèce de bouclier qui fait 30 dégâts de mêlée, 2 de défense. Double tap en direction. Ok. Donc, on va l'équiper à la place... Sunstorm in a bottle, on en a plus besoin. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oui, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça le tape? Ça le tape pas. Je sais pas vraiment ce que ça... Oh. D'accord. Oh, très pratique. Ça permet de charger l'ennemi. Oh, c'est génial, ça. Par exemple, si je veux, hop, lui faire des dégâts, hop, hop, hop là. Par exemple, je fais ça, hop, hop là, hop là. Putain, c'est extrêmement pratique. Putain, excusez-moi. C'est extrêmement pratique. Mais comme ça, maintenant, on a battu l'œil de Cthulhu. Et on est tranquille. Voilà, toi, t'es mort. Ouais, c'est quand même super pratique, ça. Ça permet de faire des doubles coups. Et 32 dégâts, c'est énorme. Hop. 32 dégâts, tandis que l'épée en fait 19. Ouais, mais c'est génial, ça. Hop. Bon, on peut aller ranger tout ça. Des barres de temps, on n'aura plus besoin. Pile rapide. Est-ce qu'on peut ranger bah, des pièces déjà? 11 pièces d'or, ah d'accord. Ça tu vas aller là. Et ça. Là, ici. Qu'est-ce qu'on peut déposer? On peut déposer le Sunstorm in a bottle. Ça on peut déposer. Ça, ça, ça. Non, ça je reprends. On va en faire des barres de démonite. Bon, hop, crafting window. Voilà, 13 barres de démonite. Bon, comme vous le savez, je ne fais pas encore les armes, même si je pourrais faire des armes avec ces matériaux. Simplement pour vous montrer pas l'ordre des matériaux, mais vous montrer un peu la puissance qu'ils ont et comment... Quel est l'élément le plus fort et celui avant. Il faut savoir que entre le platinium et la démonite, il y a un autre élément qu'on n'a pas encore. Et qui d'ailleurs, tiens, on va aller chercher. Comment est-ce qu'on va aller chercher? Simplement, il nous faut un marteau. Donc on va faire comme dans le premier épisode, en fait, on va aller chercher avec... Enfin, plutôt dans le biome corruption. Quel est le biome corruption le plus proche? Non... On va partir par la gauche. Il faut aller casser les cœurs de démons. Cœurs de démons? Oui. Il faut aller casser les cœurs de démons qui sont présents dans le biome corruption. Donc on va y aller tout de suite. Comme ça, on aura déjà... Enfin, je vais vous réexpliquer ça plutôt. Vous réexpliquer ça correctement. En cassant les cœurs de démons, vous aurez une chance sur je ne sais pas combien d'avoir un événement spécial qui va arriver. Qui va vous indiquer un message. Je vais pas vous dire ce que c'est, je garde la surprise. Cet élément, une fois qu'il arrive, si vous allez à un endroit, vous pourrez récupérer un matériau qui vous permettra de faire une armure et des armes assez intéressantes. Quand même assez fortes, mais... Enfin, c'est pas le meilleur des armes, mais c'est quand même assez fort.
Et c'est assez pratique si par exemple vous n'avez pas de quoi vous faire une armure. Oula, salut toi. Une armure en platinium quoi. Donc on va y aller tout de suite, comme ça on pourra avoir une chance d'avoir l'événement. Il faut savoir que c'est une chance. Et que ça peut ne pas arriver. Mais on va quand même si. Aïe aïe, j'ai mal. Et on a des vautours ici. Voilà, il est mort. Le trédo, tranquille avec ça. Hop, allez. J'ai peur de tomber un peu violemment. Bon, le biome corruption, on y est bientôt ou pas? Je sais pas par où c'était le plus rapide. Et en même temps, en allant dans le biome corruption, on va pouvoir voir un peu ce qu'il y a au fond. Déjà un peu explorer. Parce que le biome corruption, c'est profond et il y a souvent des loot assez intéressants. Donc il vaut mieux quand même aller voir. Par là. Allez vite. Non, tomber dans le trou. Ah quand même, je suis content d'avoir battu l'œil de Cthulhu. Parce qu'il était quand même assez difficile. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il était quand même assez difficile et je voulais à tout prix avoir ses loots. En plus ça permet. Oh, ça permet d'aider si on est un... si on en a besoin. Hop là. Si par exemple on n'a plus de quoi voler. Hop. Très pratique. Allez. Hop. C'est génial cet élément. Ça fait le même effet. Dans le jeu plus tard, il y aura un élément qui s'appelle la ceinture de ninja. Et elle nous permet justement de faire ça. Mais maintenant, je pense qu'elle servira plus à rien avec l'élément qu'il y a là. Emeranta est arrivé. Qui est Emeranta? Ah, c'est la dryade. Vu qu'on a battu le premier boss... Bon, je vous réexpliquerai ça tantôt. On va descendre... J'ai fait une erreur, j'ai pas mon parapluie. C'est super dangereux de descendre comme ça, mais bon, tant pis. Hé, torche s'il te plaît. On va mettre les torches dans l'inventaire. Voilà. Comme ça on peut descendre tranquillement. Ouh, mais déjà, regardez, on a une bonne surprise ici. On a déjà un cœur qu'on va prendre tout de suite. 340 points de vie. Ça... Ah, mais il y a déjà des cœurs en bas qu'on va... Ok, hop, ça... on va se mettre là pour jeter les bombes. En jeter plusieurs. Merde, qu'ai je fait? Non, ça va. Il faut lancer une bombe pour qu'elle rebondisse. Parfait. Et boum, toi tu viens. Ah, frisson vous parcourt le dos. Le mousquet, on s'en bat le steak. Mais bon, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On va lancer dans le trou. Je m'éloigne. Ah, là on est confronté à un problème. On va jeter comme ça. Non! Non! Pars pas trop loin. On va faire un petit... petite construction pour accueillir la bombe. Hop. Qui est Gerval? Ah, le démolisseur est arrivé. Le démolitionniste, comme il appelle ici. Cool. Toi, tu viens, on va te lancer par le dessus. Allez. Aïe! Oh, purée. C'est dangereux, ça. Moi, je pars. Une petite torche là. On va faire une petite construction. Voilà. Et toi tu vas là. On part.
Et voilà, c'est ouvert. Maintenant, on casse ça. Et on a obtenu le Vileronce Maniaco. Oh, cool. On a obtenu une nouvelle arme. On va l'essayer. Déjà, on va voir qui est arrivé, oui. Waouh. C'est une arme. Est-ce que ça traverse les blocs? Ouh, c'est une arme qui est très intéressante, ça. De sa capacité à traverser les blocs, ça en fait une arme très très intéressante. C'est génial, ça. Bon, on va déjà vendre ça. Ça, on en a pas besoin. Ça, on en a pas besoin. Ça. Ça. Et... Oh, toi, là-bas. Tu as évité... Attendez, le petit canard, là-bas, il va mourir. Raté. Un rien plus haut. Oh, on l'a eu. Touche pas les PNJ, toi. Ok. Ah, on peut voir maintenant une nouvelle animation des PNJ. Principalement deux PNJ. La première animation, c'est de la dryade. Et l'autre animation, c'est du magicien qu'on rencontrera plus tard. Qu'est-ce que... À quoi ça sert, ces animations? Comme vous l'avez vu, le cercle de feuilles qu'elle faisait. C'est un pouvoir qui va vous... protégé, qui s'appelle pouvoir de la nature, qui va vous donner le buff pouvoir de la nature. Je sais pas vraiment ce que ça fait, je vais me renseigner pour la prochaine fois, mais c'est nouveau et ça vous aide lors de combat. Donc là, la dryade. Oui, terraria corrompue à 8%, oui. Oui, bon, voilà. Ça, on s'en fout. Tout ça, c'est bon. Et on est tranquille. Donc la prochaine fois, où est-ce qu'on ira? Je pense qu'on ira battre le... Oh, un petit ver de terre. On ira battre le gardien du donjon. Squelettron, voilà. J'avais oublié son nom. On ira battre Squelettron et surtout découvrir les mystères présents dans ce donjon. Donc là, on va se retrouver plus tard sur le Lexica Terraria parce que je dois vous expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Allez, à tantôt. Ah, ben finalement, pas à tantôt. Parce qu'on a un petit monsieur qui est venu. Lui, là. Bon, ok. Tant pis. On se retrouve sur le Lexica Terraria. Allez, à tantôt tout le monde. Bon, rebonjour tout le monde. On se retrouve maintenant sur le Lexica Terraria. Et ce sera probablement la dernière fois qu'on va se retrouver là-dessus. Parce que ça commence à m'énerver. Je ne trouve plus le temps, je ne vois plus l'intérêt de faire ça. Au début, j'étais bien inspiré, mais maintenant, je dois vous l'avouer, j'en ai marre de ce projet. Donc on commence par la présentation, enfin, on va plutôt finir le Lexica Terraria par la présentation de 2-3 personnages. Par la suite, je le ferai moi-même, parce que je me rends compte que j'explique mieux en vidéo directement que d'expliquer comme ça, bêtement. Donc on commence avec le premier personnage, qui est le peintre. Je ne sais pas si j'avais présenté dans la dernière vidéo. Si oui, tant pis, on va le représenter. Donc il a toujours un nom variable. Il apparaît lorsque 3 PNJ se sont installés chez vous. À partir de ce moment-là, il peut s'installer chez vous. Et son utilité, c'est qu'il vend de la peinture pour les murs. C'est pas super pratique pour moi. On passe maintenant au démolisseur, qui est un personnage pas super important, mais qui peut être bien marrant et bien cool à voir. C'est le démolisseur. Son nom est toujours variable, comme tous les PNJ. Son apparition lorsque vous possédez un explosif... et que le marchand est chez vous. Un explosif, ça peut être de la dynamite, des bombes ou des grenades. Le marchand, c'est pas très dur quand le marchand est chez vous. Son utilité, il vend des articles explosifs et le casque de mineur. Mais il n'a pas vraiment d'autres utilités. On passe maintenant au dernier point de ce Lexica Terraria, c'est la dryade. Son nom est variable. Sa condition d'apparition, c'est lorsqu'on a vaincu un boss qui est autre que le mur de chair, King Slime ou le puce, qui est un boss qui est en version mobile, oui. Son utilité, elle vend des graines, et surtout, enfin des graines et des articles naturels, et surtout, elle indique le pourcentage de corruption ou de purification du monde. Et ça, c'est quand même une chose qui est assez importante, on n'y pense pas souvent, mais si vous voulez savoir, par exemple, à combien de pourcents votre monde est corrompu, c'est très pratique. Donc, c'était Monsieur Max 01. Aujourd'hui pour le 12e épisode du Lexica Terraria. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu ou n'importe quoi. Chaque avis de chaque personne est très important.
Le Lexica Terraria, quant à lui, va être abandonné. Je vais plus jamais revenir dessus, ça commence à m'énerver. Donc, je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, salut tout le monde.